Et d'ailleurs, même, je le dis ici à Mondio Vision, je le dis devant tout le monde, il y a deux noms qu'on va éviter d'aborder ici, comme vous le savez déjà. Avant, dans le passé, c'est des choses que je n'avais pas envie de parler parce que je ne voulais pas que les gens sachent qu'il y a des brouilles, qu'il y a des embrouilles, malgré que ça se voyait. Donc, on va éviter de parler de Bell Jones ici sur cette page. Ne venez plus en photo, en vidéo, en commentaire. Oui, qu'est-ce qui se passe avec Bell Jones? On ne vous voit plus ensemble. Vous êtes au courant. Les choses ne se sont pas faites dans le Soum Soum. Tout le monde au courant. Donc, arrêtons l'hypocrisie. Je vous en supplie. Je ne veux plus parler de ça. Je ne veux plus parler de cette histoire. Je veux vraiment passer à autre chose. Il n'y a pas eu mort d'homme. C'est une amie, une ex-amie. Donc, les choses sont passées. Il y a eu des tirailles. Donc, que chacun reste dans son coin. Ne venez plus ici sur les réseaux. Parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un de spontané. Vous allez me poser une question. Et je vais vouloir vous répondre de manière spontanée. Vous ne savez pas comment la personne va répondre ça. Donc, on va dire les choses clairement. On ne parle plus de ça ici sur la page. Voilà. C'est pareil pour Stérella. C'est la dernière fois que je vais prononcer son nom ici. J'espère bien. Ne me posez plus des questions sur cette femme. Je veux qu'elle continue à faire sa vie. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. J'ai voulu faire une vidéo pour sortir. Par rapport à sa sortie, j'ai trouvé que c'était inutile. Parce qu'au final, je ressens plus de la pitié, de la peine pour le personnage. Donc, je n'ai plus envie de me donner, de mon énergie à tout ça en fait. Parce que, évitez, je vous en supplie. Il n'y aura pas de dernière vidéo pour dire que quand. Vraiment, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Sauf si quelque chose refait surface. En ce moment-là, oui, évidemment. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, je ne veux plus que quelqu'un se... Oui, il vous dit, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, en fait, qu'est-ce que tu as pensé? Si. Bah, écoute, moi, je ne te connais pas de base. Mais à cause de l'histoire qui s'est passée, malheureusement, je me suis abonnée à toi. J'apprécie. Malheureusement, ma chérie, ici, je ne parle pas des histoires qui se passent derrière mon dos. Ici, on parle de grandir, de réussir, voilà, de se donner des forces et de faire de l'argent, d'être en santé, d'accord? Donc, malheureusement, on ne parle pas de ça ici. Tout ce qui se passe derrière moi, ça ne me concerne pas. Bruit, pas de bruit, ça ne me concerne pas. Mon objectif, c'est de venir ici, inspirer mes abonnés, aider mes abonnés et toujours être au service de mes abonnés. Moi, c'est ce qui me préoccupe. Le reste, none of my business. Ruby, n'écoute pas les belles paroles de Bell Bijoux. Toi, tu connais pour avoir été proche d'elle, pour avoir été complice de certains de ses coups-bas. Si elle a envoyé effectivement les avocats à sa copine qui fait des produits capillaires parce qu'elle voulait la concurrencer, elle sort les produits après et elle veut détruire celle qui a sorti avant. Si tu sais dans ton fort intérieur que ce que tu as dit d'elle, qu'elle faisait à ses copines, qu'elle a failli m'envoyer la police, les bandits pour finir avec moi juste parce que j'avais dit que l'âge qu'elle montre, ce n'est pas son vrai âge. Si une femme est capable de penser de telles choses pour des détails aussi inutiles, imagine-toi ce qu'elle est capable de faire pour celle qui l'expose aux yeux du monde, celle qui écorche son image, notamment toi. Je ne dis pas que tu as mal fait. La première sortie était bonne parce qu'il fallait qu'elle paye le karma de Sonia. Mais les autres sorties-là, est-ce qu'elle va te pardonner? Est-ce que tu penses que quand elle vient te dire que tu parles, tu es derrière elle, tu penses que le problème est fini? Garde l'œil ouvert. Conseil d'une grande sœur. Moi, elle te dit qu'elle ne te déteste pas. Conseil d'une grande sœur. Elle ne viendra pas en public faire les choses parce qu'elle sait que son image en public vaut de l'or désormais. Elle joue les grandes filles en public. Elle veut que, en tout cas, que rien n'écorche son image. Et ça, tu as écorché son image. Tu as écrasé son image. Tu as pilé son image. Donc, ne crois pas. D'après toi, si elle a été capable du pire pour quelqu'un qui ne lui a rien fait, lui a envoyé des avocats, alors que ce dernier n'a rien fait, en off, imagine-toi ce qu'elle pense ou elle est capable de te faire d'après ce que tu as fait en public. Ne bois pas ces belles paroles. Maintenant, tu sais qu'elle n'a pas arrivé quelqu'un dans ta vie, il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat. Tu sais très bien que si tu ne dis plus rien d'elle, c'est parce qu'il n'y a plus rien à dire. Tu as tout dit. Lilia, tout. Jusqu'à sortir qu'elle avait un faux profil, tout. Tous les coups bas, tu as dénoncé. Au jour d'aujourd'hui, elle essaye de garder la face, mais elle-même, elle sait que tu l'as touché. Si tu l'as touché, ceux qui ne la touchent pas, elle est traite.
Il te dit, déclare tes choses, fais ce que tu veux. Prie comme tu dis que tu sais prier là. Parce que ma chérie, ça n'a pas encore commencé. Moi, je connais des gens. Je connais des gens du genre de Belbijou qui sont orgueilleux, qui n'aiment pas qu'on touche à leur image. Et toi-même, tu le sais. Ça n'a pas encore commencé. Hein? C'est le calme qui annonce la tempête. C'est la fin d'année. Elle sait qu'elle a besoin d'argent. Elle est en train de ramasser l'argent. Quand elle va s'asseoir, elle va réfléchir. Et qu'est-ce qu'elle nous dit même qu'elle n'est pas en train de réfléchir? Elle veut juste que les gens viennent dire après que non, Belbijou l'avait laissé, Belbijou l'avait oublié. Non, c'est plus ça et tout. Même dans 10 ans, même dans 40 ans. Apparemment, elle a dit qu'elle est très rancunière. Apparemment, c'est les gens qui la suivent disent qu'elle dit souvent qu'elle est très rancunière, même dans 10 ans. Maman, ne crois pas que tu as gagné. Ne l'écoute pas dire que tu es derrière lui, parce qu'hier, elle aussi était derrière Sonia. Elle me sait que Sonia, c'est sa maîtresse. Donc, moi, j'ai fait la vidéo aussi, si tu vois ça. Ma chérie, elle là, non. Avec elle, non. Ça n'a pas commencé. Et ça ne sera pas sur les réseaux. Toi-même, tu le sais, à bon entendeur. Moi, je suis venue te dire, toi, tu as entendu ma part, tu as caché. À bisous.